Voilà, ma soupe est prête. Elle est très bonne, savoureuse, avec du fromage et avec du pain grillé et à la sauce. Très bonne sauce. Bonjour à tout le monde. Aujourd'hui, on va cuisiner la soupe au potiron. La soupe pour Halloween. Voilà ma jolie potiron. Très belle, très orange. Et on va cuisiner cette soupe, fameuse soupe au potiron. Et avec la sauce rouille. On le donne toujours la soupe bouillabaisse ou avec la soupe au poisson. Mais aujourd'hui, je le rajoute avec ma soupe au potiron. Ça donne toujours très bon goût et on va cuisiner. On a besoin pour ça un beau potiron, quelques pommes de terre pour rajouter du goût de volupté, un cube, n'importe quel cube de légumes ou ce que vous voulez, un peu de curry, des poivrons, des poivres noirs, des coriandres. Pour la sauce, on a besoin de la moutarde, un œuf, gousse d'ail, du safran, bien sûr, du piment, des paprikas et de la moutarde, sel et de l'huile pour faire notre sauce. Cette soupe, tout le monde adore l'hiver, soupe purée. Vous allez cuisiner, c'est très rapide à faire et c'est toujours très délicieux. Avec la sauce au rouille, c'est super. On commence à préparer la sauce au rouille. La rouille. On prend un œuf, on rajoute là-bas l'ail, on va écraser tout. On peut faire ça au mixeur ou moi, à l'ancien, je voulais faire joli un peu. Je rajoute une bonne cuillère à soupe de moutarde et on va tout écraser ça. Après, quand on a bien écrasé ça, on va rajouter nos épices. Salé, poivré et on va mélanger encore. Et quand on a mélangé, on va rajouter un peu de l'huile. Mais l'huile, il faut rajouter peu à peu pour que ça monte. Avec le mixeur, vous pouvez rajouter toute l'huile, 150 ml d'huile et monter tout au mixeur plongeant. Vous mettez de l'huile, un petit peu, vous mélangez. Mettez, mélangez. Et comme ça, jusqu'à ça, ça tout épaissit. C'est comme la mayonnaise. Maintenant, je vais mettre un peu d'huile et je vais mettre mes épices. Une cuillère à café de piment et une cuillère à soupe de paprika. Et une petite portion de safran. Si vous avez du safran en pistil, vous pouvez mettre des pistils, un petit peu de pistil. Pour goûter, si vous voulez rajouter plus, vous rajoutez un peu plus. Il faut faire tout à votre goût. Voilà, vous mélangez tout et vous rajoutez tout ça dans notre sauce. Et vous mélangez. Si vous voulez rajouter plus des épices ou du piment, vous rajoutez. Vous goûtez et vous rajoutez plus. Si ce n'est pas assez rouge, vous rajoutez plus de paprika aussi. Voilà, j'ai tout mélangé et maintenant je vais rajouter dans ma sauce. Et je mélange et je regarde la couleur. S'il me faut, je rajoute plus de piment ou paprika. Voilà, j'ai rajouté un petit peu plus de piment et paprika puisque la couleur elle n'est pas assez rouge. Voilà, ma sauce est prête et maintenant on va préparer notre soupe. La sauce est très belle couleur, orange, et bien pimenter un petit peu, ce qu'il faut pour moi. J'ai coupé la baguette pour notre soupe. J'ai mis au four 5 minutes à griller. Maintenant, on va préparer notre potiron. Je coupe en moitié, j'épluche tout. Il y a des gens qui n'épluchent pas, mais moi, je préfère tout éplucher. Je n'aime pas la peau de potiron.
On a bien découpé, on va sortir tout ce qu'il y a dedans et éplucher la peau. C'est un peu dur, résistant, mais avec épluche patate gros, j'épluche comme ça mon potiron. Je découpe mon potiron et mes pommes de terre et je vais mettre tout à cuire 15 à 20 minutes. Je couvre d'eau, je rajoute ma cube de bouillon et mes épices, peut-être la moitié de cuillère à café de curry et un petit peu de coriandre aussi, un petit peu la moitié de cuillère à café. Et je fais tout bouillir. Ma soupe est prête. Maintenant, je vais mixer ma soupe avec le mixeur plongeant et on va déguster notre soupe. Vous goûtez à votre goût. Ma soupe est prête. J'ai servi comme ça avec les pains grillés. Ma sauce rouille et un peu de fromage. C'est très bon, délicieux. Bon appétit à tout le monde. Voilà, ma soupe est prête. Très bonne, délicieuse. Et bon appétit à vous. J'ajoute du fromage. Un peu de une cuillère à soupe de sauce ou un peu moins, comme vous voulez. Moi, j'ai rajouté beaucoup, c'est plus délicieux. Et avec du pain grillé, c'est super bon, délicieux. Bon appétit. Sauce rouille est trop bonne. On peut manger avec tout ce qu'on veut, avec les légumes, au poisson, avec plein de soupes différentes. Bon appétit à tout le monde et à bientôt sur ma chaîne. Mettez des likes, s'abonnez à ma chaîne. Ça me fait plaisir que mes recettes vous plaisent.